Bonjour Robert. Oui. Oui, c'est moi. Oui, ah, voilà. Ouais. Voilà. Alors, je t'enregistre là, hein, sur le téléphone. Oui. Alors, est-ce que tu peux me raconter ce qui s'est passé hier soir pour ton anniversaire? Alors, c'était, on regardait la télé. Oui. Moi, j'étais dans mon fauteuil, ma Alice à côté de ma fille. Oui. Et puis, d'un seul coup, paf, sans la moindre... Tu sais, d'habitude, les coupures d'électricité, oui, ça commence à... Il y a des hésitations là, donc d'un seul coup, top, comme si on avait coupé l'électricité. Ouais. Ouais, alors, bah, on a cherché, on a éclairé, on a cherché des bougies, et puis d'un seul coup, ça a duré peut-être, même pas 2 minutes, je crois pas, hein. On n'a pas à regarder. Le courant est revenu. Alors, on a dit, mais ça, on a pensé que c'était un orage quelque part, donc on a cherché des bougies, et pendant que ma fille, elle est sortie dans la rue, je ne sais pas pourquoi, et on a trouvé des bougies, top, rebelote, coupure, et voilà. Et elle a vu passer dans la rue, mais au-dessus d'elle, oui, deux boules blanches, 2 sphères, mais énormes, tu vois, pas l'étoile filante, quoi, mais blanche. Et ben, les deux, une paire, à grande vitesse et pas plus au courant. Et elles allaient dans quelle direction? À peu près nord-sud. Nord-sud, voilà. Non, plutôt sud-nord, pardon. Oui, oui, du sud vers le nord. Du sud vers le nord, en gros. Hein. Voilà. D'accord. Et puis, bon, d'accord, alors, coupure, c'est revenu en 2 minutes, pareil, et puis top, 3e coupure. Voilà. Et puis, ça, après, et ça a duré encore aussi 2-3 minutes, et c'est revenu, puis c'est plus jamais parti. Il y a eu trop de coupures successives. Une fois que se sont éloignés, après, ça a dû... Je pensais que la première s'est faite quand elle approchait, une quand elle a passé dessus, et l'autre quand elle était... Certainement ça. Parce que tu sais, c'était pas... Nous, avec ma femme, j'ai vu des bolides, carrément des météorites, quoi, qui tombaient, mais énormes. Mais elles étaient, en entrant dans l'atmosphère, elles étaient rouges. Elles étaient blanches. Oui, et puis elles se déplaçaient à vitesse constante du sud vers le nord et à une certaine hauteur, quoi. Oui, à une certaine hauteur. Difficile à dire. Ça a été, oui, c'est difficile. Comme l'éclair, tu vois. Et puis en plus, les cerfs dont je te parle avec ma femme, elle était rouge, c'était carrément un bolide. On était sur le plateau, c'était l'été. On a vu en face de nous, elle descendait, elle tombait d'en haut. D'accord. Celle-là, non. Celle-là, elle se passait comme un avion, quoi. Oui, c'est différent. D'accord. Ouais. Bon, ben très bien, je t'ai enregistré, Robert. Hein. Donc, c'est Robert Maestracci qui est au téléphone avec moi. Et ça s'est passé, donc, le 22 juillet 2019, vers 21h30 à peu près, ouais, c'est pas ce que tu m'as dit. Au-dessus de ta maison, à peu près à Entrevaines. Oui. Ouais. Voilà. Et pour ton anniversaire, où tu viens d'avoir 94 ans, si je ne me trompe pas. Mais tu te trompes. Malheureusement, tu ne te trompes pas, non. Malheureusement. Non, tu sais, il est arabe, vous voyez, bien sûr. Oui. Il m'a dit encore 10 piles comme ça, non. Ben, écoute, l'essentiel c'est que tu aies toute ta tête et que tu aies la santé. Ben, apparemment, tout ça, elle est là. Voilà. Et si tu bouges moins, c'est pas grave. Nous, on viendra te voir de temps en temps, comme on fait, dès qu'on peut venir. Eh ben, on passe te rendre visite, comme ça tu passes un petit moment.